Je suis Pauline Tricoche, j'ai 27 ans et je suis salariée à Carte Blanche. Je m'appelle Charlotte, donc je suis animatrice coordinatrice du tiers-lieu Carte Blanche avec ma collègue Pauline. Eh bien, moi c'est Julien, l'arbalète, très original, ça fait rire beaucoup de monde. Actuel, mon travail, c'est directeur d'antenne de Radio Dynamo. Le lieu en lui-même s'appelle la Maison Amicale, parce que c'est une ancienne maison médicale du Blanc. Qui a été récupérée suite à la lutte contre la fermeture de la maternité de l'hôpital du Blanc, juste à côté. Alors, pas tout de suite. Il y a des activités, c'est-à-dire des choses mises en place directement par l'association Carte Blanche. Alors, comment ça s'est passé? On a fini par en acheter les murs début août 2023. J'ai l'impression, comme ça, que chaque tiers-lieu est un peu spécifique. On loue le local, on loue les presque 40 mètres carrés qu'il y a là. Il y a à peu près 300 mètres carrés par étage. Le public, de manière générale, il est très, très éclectique. Je suis un des, pas cofondateurs, mais en fait, je fais partie des prémices du projet. C'est une radio locale, associative. Alors, le terme tiers-lieu, donc j'avais fait mes petites recherches pour mon entretien d'embauche. Il est unique parce que les gens entrent dedans et disent « ben, on aimerait bien faire ça ». On rentre dans les cases, on a de l'argent supplémentaire. Alors, on a pas mal de financement public. On a des repas partagés qui s'appellent la cantoche. Donc on a un ETP qu'on se partage à deux personnes, chacun à mi-temps. Oui. Se le réfléchir ensemble. Ça dépend, ils peuvent être gratuits ou ils peuvent être payants. Sur la première année de fonctionnement, on n'était pas très connus parce qu'on n'a pas fait de com sur le projet. Je pense que chaque tiers-lieu a son identité propre en fonction de c'est quoi son cœur. Alors moi, je suis originaire du Blanc. Principalement la musique. Ben, en fait, c'est un peu étrange parce que moi, je venais ici quand c'était une maison médicale. Et depuis très longtemps, on avait un sérieux manque de local. Et du coup, ça peut être tout et n'importe quoi. J'aime ce lieu. Mais c'est parce que c'est le nôtre. C'est une très bonne question. Ton ambulance. Eh ben, plein de choses en fait. À bientôt. Il faudrait que les gens s'ouvrent un peu sur leurs voisins, sur les gens qu'ils connaissent pas. Je suis très maniaque. Bisous. Ben, merci à vous.